Au tribunal exceptionnel de la justice sociale s'ouvre à Auxerre aujourd'hui, le 7 mai 2021, le procès de 4 réformes. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la réforme du code du travail et la réforme des chaussettes trouées. Les 4 réformes seront jugées successivement par le tribunal populaire. Mesdames et messieurs, la cour, veuillez vous lever. Le juge, le procureur, veuillez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. Accusé, levez-vous. Enfin la réforme du chômage, on te voit. Enfin tu es devant nous. Depuis 2 mois et demi maintenant, nous sommes enfermés, ici et ailleurs, dans les théâtres, dans les lieux de culture. Donc depuis plus longtemps que Balkany, entre parenthèses. On sera resté enfermé plus longtemps que Balkany. De quel cerveau malade es-tu sorti? Un changement de condition d'accès. Ben, j'essaye de le faire le plus beau et puis j'y arrive même pas. Un changement de condition d'accès à l'indemnisation. Est-ce que tu te rends compte de combien de milliers de personnes, de combien de centaines de milliers de personnes tu vas priver? Est-ce que tu te rends compte de nombre de personnes qui vont se retrouver dans la précarité? Pourquoi faire? À quoi ça sert? Pour faire des économies. Ah ben ça c'est une réponse. Ça c'est une réponse. Et vous n'avez que ça comme réponse. Des économies. Des économies pour qui? Des économies qui vont servir à quoi? Est-ce qu'ils vont servir à construire d'autres lieux de théâtre, d'autres lieux de culture? Avec un changement du mode de calcul, on voit que vous aimez les maths et les économies. Avant le calcul se faisait sur les jours. Je parlerai encore plus fort. Sur les jours de salaire travaillé. Après la réforme, le calcul se fera en fonction du revenu mensuel, c'est-à-dire calcul des jours travaillés, mais aussi des jours chômés. Ça veut dire 840 nouveaux entrants qui toucheraient une allocation plus faible. La baisse de l'indemnisation va être au moins de 24%. Ça vous fait sourire. Et qu'est-ce que vous avez à répondre? Tout ça pour faire des économies. Des économies, bien sûr. Donc par exemple, une personne qui aurait 6 mois de SMIG à 1230 euros, jusqu'à maintenant, Pôle emploi lui versait 975 euros. Après la réforme, elle aura plus que 659 euros. Et là, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous voyez les économies. Ça, c'est de la réponse. Donc, des raisons mortifères qui nous obligent à occuper les lieux de culture jour et nuit, aux intermittents, du travail et du spectacle. À toi la réforme chômage. Nous t'avons demandé de ne pas poursuivre ton projet. Nous t'avons demandé une prolongation de l'indemnisation pour les intermittents du spectacle, pour tous les travailleurs précaires, pour les extras, les saisonniers et tous ceux qui subissent la crise. Mais toi, avec tes politiques patronales, apparemment pour faire... Bien évidemment, économie. D'accord. Nous t'avons demandé une baisse de seuil d'heures minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou les intermittents en rupture de contrat.
Nous avons demandé de toute urgence des mesures, que des mesures soient prises pour garantir l'accès au congé maternité, au congé maladie, à tous les travailleurs et travailleuses, pour l'emploi en discontinu, ainsi qu'aux auteurs, aux autrices. Nous avons demandé des moyens pour garantir les droits sociaux de la retraite, de la formation, de la médecine du travail, des congés payés, dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Sans avoir fait maths sup, vous aurez compris, les intermittents ne bossent pas, donc ne cotisent pas, donc les caisses se vident. Nous avons demandé une concertation avec les organisations concernées, les salariés, les organisateurs, les prestataires, pour la mise en place d'un calendrier d'ouverture de l'ensemble des lieux de manifestation culturelle. Nous avons demandé un financement du secteur culturel, passant par un plan massif de soutien à l'emploi, en concertation avec les organisations concernées de salariés de culture. Et pour porter ces revendications, nous avons exigé, dans un délai bref, une réunion du Conseil national des professions du spectacle avec le Premier ministre. Mais tu nous ignores, tu nous méprises, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de concertation. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste là, on occupe encore, et on nous dit que bientôt, le 19, les lieux de culture vont réouvrir. Mais ils vont réouvrir pour qui? Pour nous? On ne peut pas y aller, on n'a plus d'argent pour aller au théâtre, ni au spectacle, ni au concert. Ils vont réouvrir avec qui? Avec les intermittents? Mais les intermittents, pour l'instant, ils n'ont pas signé de contrat, les intermittents, ils n'ont pas répété. Les intermittents, ils n'ont rien là à faire. Demain, le 19, ils n'ont pas de spectacle, ils n'ont pas de répétition. Donc ils vont réouvrir pour qui? Eh bien pour nous faire plaisir, pour nous dire ça y est, maintenant vous pouvez rentrer chez vous. Les lieux de culture réouvrent. Mais au départ, les 107 lieux de culture fermés et occupés, on n'a jamais dit que c'était seulement pour la réouverture des lieux de culture. On l'a bien expliqué que c'était aussi pour une seconde année blanche. On nous l'accorde quand, la seconde année blanche? On nous l'accorde à un moment? Bien sûr que non, il faut faire des économies. Voilà. Des économies, des économies, des économies. Et l'assurance de la réforme, la réforme chômage? Quand est-ce qu'on en parle? Le 19? Quand tous les théâtres vont rouvrir? Quand ils vont tous rouvrir sans personne dedans? On en parlera de la réforme du chômage à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, on nous reparlera encore d'économie? Tout à fait. L'économie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Madame la juge, je demande la mort pour cette réforme chômage. Voilà. Que le tribunal rende son verdict. Qu'on lui coupe la tête! Non! Non! On ne fera pas l'économie d'un coup de lame. Non. 3, 2, 1. Et voilà. J'attends une explication. On laissera nos petits vieux au boulot dans tous les cas. Ah, vous devez aller au boulot. Jusqu'à mort. Alors, il est prévu d'acquérir des points supplémentaires pour les périodes de chômage, de maladie, d'accident de travail. Alors, vous m'expliquerez avec quel argent on va acquérir ces points supplémentaires. Mais on ne sait pas combien de points on aura droit, ni dans quelles conditions. On ne sait pas. Le tout renvoyé à la publication de décrets. Il faut attendre les décrets. Pour les précaires, pour les privés d'emploi, seulement 37% des inscrits à Pôle emploi sont indemnisés. Là, maintenant, aujourd'hui. Les 63% restants ne touchent pas l'allocation. Ils ne cotiseraient donc pas pour leur retraite avec ce projet. L'allocation d'assurance chômage est de 1010 euros net. 50% des allocataires qui touchent moins de 860 euros. Alors quand on vous parle de feignants, de gens qui ne veulent pas travailler, qui se complaisent,
dans les aides de l'État, se complaire avec 860 euros par mois, je vous assure que la complaisance, elle est très minime quand même. Et c'est bien pour ça qu'on n'attend pas autre chose. Bien évidemment ça. Allez-y, allez-y les vieux, allez au boulot. Et les vieux au boulot. Il va falloir qu'elle s'en prenne une, ouais. Alors, est-ce que en 2025, donc c'est pas si loin pour quelqu'un qui atteindrait les 62 ans en 2025, alors j'ai pris 2025 parce que c'est pas très vieux, on est en 2021, donc ça peut quand même concerner pas mal de monde. Vous allez me dire, est-ce que je peux partir en 2025 si j'ai 62 ans? D'après ce que j'ai lu, j'ai cru comprendre que quand même, je pourrais partir à la retraite, parce que j'en ai aussi un peu plein le cul d'aller bosser tous les jours. Alors oui, mais avec une pension minorée, même si vous avez toutes vos annuités. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'âge. Ça, le gouvernement ne vous le dit pas aujourd'hui, maintenant. Le projet qu'il sera possible de partir à la retraite à 62 ans avec une décote. Il faudra travailler jusqu'à l'âge d'équilibre, c'est-à-dire 64 ans, 64 ans aujourd'hui. C'est ce que elle, aujourd'hui, nous dit, elle, la réforme des retraites. Mais comme elle nous dit aussi... Je continuerai à dire... 64 ans, vous êtes vieux? Vous allez y retourner, les vieux. Vous allez y retourner encore pour un sacré paquet d'années. Qui va décider de la valeur des points? Alors ça, c'est une question aussi qui a toute son importance aujourd'hui, depuis un an et quelques, avec la période Covid, où on a vu que les intérêts financiers de l'État étaient malmenés, puisque l'indice du point de retraite sera indexé directement sur le PIB du pays. Ça veut dire que quand, comme aujourd'hui, on nous explique qu'il faut faire des économies constamment, parce que la France dépense beaucoup d'argent pour nous aider, pour nous soigner, pour prendre soin de nous, n'est-ce pas? En tout cas, pas pour nous fournir des masques. Hein. Ce PIB a une valeur fluctuante, selon les mois, même selon les semaines. Ça veut dire que demain, à la retraite, vous aurez au mois de juin une pension de 1500 euros, mais vous aurez trois mois plus tard une pension de 800 euros. Ce sera selon le PIB. Et l'index, il va bouger comme ça. Et là, il n'y aura rien à faire que d'attendre et d'espérer en croisant les doigts, et bien que le mois prochain, que le trimestre suivant soit meilleur. Comment on peut justifier cette réforme? Comment on peut l'admettre? Comment peut-on avoir envie? Comment peut-on imaginer que ce soit supportable? Il n'y a pas d'autre solution, les vieux au boulot, quoi? On entend souvent le slogan « les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère ». Alors pourquoi le sort de ces deux catégories de travailleurs est lié? Eh bien, bonne question. Reporter l'âge de départ à la retraite n'a aucun effet sur le nombre d'emplois. Mais cela a un effet important sur le profil des travailleurs. Il y a en effet des vases communicants entre le plus âgé et les plus jeunes. Ainsi, entre 2010 et 2015, le nombre de travailleurs de 60 ans, ou plus même d'ailleurs, ou plus de 60 ans, a augmenté. Et en même temps, le nombre de travailleurs de 40 ans ou moins a baissé. Concrètement, reporter l'âge de la retraite fait travailler les plus âgés dans des conditions insupportables et met les jeunes au chômage. C'est pourquoi, Madame le juge, pour que cette réforme ne voit pas le jour, je demande la mise à mort de la réforme retraite. Que le tribunal rende son verdict. Puisque vous voulez mettre les vieux au travail, eh bien, je vais laisser la possibilité à une autre personne, un autre jeune, trop jeune et trop bête, réforme retraite. À l'encou, à la mort, qu'on lui coupe la tête. Ah 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 ah. La
l'Assemblée. Oui, vous pouvez applaudir. C'est une bonne chose. On va appeler la fille. Enfin débarrassé de cette réforme. On aura passé des jours et des semaines dans la rue contre cette réforme. Est levé. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Solidarité. Ouais.